Les amis, il faut que je m'exprime parce que là, ça part un petit peu trop loin. Il y a la blogueuse ORDM qui a sorti les raisons de pourquoi tu commandes. Donc moi, je vais commencer à m'exprimer. Je vais vous le dire ici. La source, c'est une meuf qui connaît très très bien le pote du mec Amaeva. Au début, je comptais pas en parler, je comptais pas dire la source ou quoi ou qu'est-ce. Parce que c'est des gens, faut pas rigoler avec eux, c'est des gens dangereux. Je vais pas rentrer dans les détails, tout ça. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que c'est la première fois de ma vie, en 3-4 ans de scoop, que là maintenant je sors une information et le problème c'est qui a Poucave, alors que le problème c'est l'embrouille en soi, tu vois ce que je veux dire? Un truc de fou, comment ça déplace le problème? Faut pas déplacer le problème à dire oui mais c'est qui a balancé le scoop. Ça fait 24 heures les gens ils cherchent à savoir le scoop de qui a balancé, alors qu'au final la vraie raison, la vraie embrouille, c'est pas qui a balancé, c'est cette histoire en elle-même. Et là depuis hier je vois sur Twitter des trucs et kakaki et kakaka. Quand vous dites ouais Maeva elle s'embrouille avec toutes ses copines, c'est vrai. Et le souci avec Maeva c'est qu'à chaque fois que tu lui sors une information, soit elle te croit pas, ou soit directement elle dégaine son téléphone. Et quand je vous dis ça c'est vrai, parce que les gens ils me disent ouais mais t'aimes pas Maeva. C'est pas que j'aime pas Maeva, mais à chaque fois que moi j'ai une information et que je la contacte, soit elle y croit pas ou soit elle dégaine son téléphone. Et son souci à elle c'est qu'elle dégaine H24 son téléphone. Là hier c'est parti archi en couille, je vous dis la vérité, c'est parti très 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 loin. De là à dire ouais c'est Lila, ouais c'est Intel, ouais c'est Ilan, ouais c'est ci, ouais c'est ça, alors que rien à voir, pas du tout. Et là vous allez voir, hein, toute cette histoire là, ça va se régler dans le cross. Et moi je vous dis que ça va partir très très loin, parce que de là à dire que c'est des gens de Intel, 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 alors que pas du tout, faut pas accuser les gens gratos. De toute façon, cette histoire, elle a révélé 2-3 trucs. Moi, je vous dis la vérité. Premièrement, dès qu'il y a une embrouille, Maeva, elle s'excite contre tout le monde. Deuxième truc, elle a tapé une fixette sur Mila. Pourquoi? Parce que hier, ça a douté entre deux personnes. Directement, elle a dit quoi? Ouais, c'est sûr, c'est elle, c'est sûr, c'est elle. Au final, elle a déguidé son téléphone, elle a dit, ouais, dès qu'elle a l'occasion, elle me la met. Nanana. Elle a commencé à dire, ouais, j'ai des preuves. T'as aucune preuve. On sait, toi et moi, qu'il n'y a aucune preuve. Je vais vous dire la vérité les amis, moi ça m'a choqué de ouf ce qui s'est passé hier, parce que je savais pas où mettre, clairement, je savais pas où mettre, parce que moi dès que je dégaine mon téléphone, soit on dit ah bah voilà ça veut dire que c'est vrai, ou ça va accabler quelqu'un d'autre. De là à ce que je vois toute cette déferlement de haine envers Mila, alors que Bichette Miskina elle a rien fait, et je vous dis la vérité ici, t'as vu, je suis encore en procès avec elle le 22 juin, Inch'Allah c'est la fermeture du tribunal et tout, mais ouais je suis toujours en procès. Donc faut pas accuser les gens gratos en disant ouais c'est Villa ou c'est Intel ou c'est Ilan ou je sais pas quoi, alors que pas du tout, tu vois. Le fond du problème, comme je vous l'ai dit et comme je le répète, c'est qu'elles se sont battues dessus à cause d'un mec. Parce qu'elles se sont battues par rapport au fait que voilà, je vous ai déjà raconté l'histoire. C'est pas, faut pas déplacer le problème en disant qui a balancé à Aquabeb pour esquiver le fait que Maeva est déjà en couple et qu'elle s'est battue avec Manon. Faut pas.